Surveillance totale grâce à la technologie 5G et Wi-Fi. Dans l'accord de coalition du gouvernement allemand, il était stipulé que toutes les villes devaient être converties en ce qu'on appelle des smart cities, des villes intelligentes. Le cœur de ce projet est la refonte de la vie et de l'infrastructure urbaine à l'aide de technologies telles que la 5G et le Wi-Fi. Ces plans Smart City ont reçu le prix Big Brother cette année. Selon ses fondateurs, le Big Brother Award est décerné à des autorités, des entreprises ou des organisations qui portent atteinte à la vie privée de personnes ou qui mettent des données personnelles à la disposition de tiers. Le concept Smart City du gouvernement fédéral, par exemple, promeut la Safe City, la ville sécurisée, une ville pavée de capteurs, totalement surveillée, télécommandée et commercialisée. Smart City a deux aspects principaux. L'industrie veut les données pour le contrôle des consommateurs et la planification de la production, et les organes de l'État les veulent pour le contrôle politique de la société. Dans l'accord de coalition du gouvernement fédéral du 7 février 2018, par exemple, la protection des données a été supprimée avec le libellé suivant. Nous voulons ancrer la libre circulation des données comme cinquième dimension de la liberté de circulation. L'État totalitaire de surveillance, selon le livre 1984 de George Orwell, va-t-il maintenant devenir réalité ?